Facebook, c'est bon. Insta, ça charge. Alors attends, Facebook, c'est bon, je peux connecter le micro. Hop, voilà. Facebook, c'est bon. Et Insta, c'est bon aussi. Tac. Continue de tenir. On est en live. Hein. Coupe le son. Tiens, vite fait. Merci. Sachant que voilà, je. Il y avait la coiffure, tout ça, c'est le prêt-pièce. Donc après, bon, juste le teint, il n'y en a pas pour longtemps. En général, il est bien, le teint est très bien. D'accord. Sachant que là, on en a jusqu'à, donc, jusqu'à 20h. Donc une petite heure de travail sur Lola. Donc là, j'ai posé la base. Déjà, donc c'est un fard crème noir. Je viens juste dégrader un tout petit peu les bords. Alors il y a déjà plein de monde qui nous regarde. Voilà, je vais pas te stresser, hein, mais il y a plein de spectateurs. Non, non, non. C'est la folie. Donc il y a du monde sur Insta, sur Facebook, des gens qui disent bonjour, qui saluent. Kimberly qui nous envoie des cœurs. Salut Kimberly. J'ai Dan Borgia qui nous dit hello. Salut Dan, ça va? Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions, vous pouvez nous saluer, nous envoyer des petits coucou. Ben voilà, Jérémy qui dit hi from New York, hello New York, how you doing? Valentine qui dit hello la team, salut Valentine. Valentine qui est fidèle, à chaque fois on la voit, à chaque fois elle nous écrit. Donc voilà, c'est un tutoriel, donc n'hésitez pas à poser des questions. Tiffany est là pour ça. Du coup, c'est un make-up édito, me dis-tu. En quoi ça consiste? C'est quoi la différence entre un make-up édito et un make-up classique? Alors, un
un make-up classique, ça va être surtout voilà, de la beauté, les vitaux, on va plus partir sur quelque chose d'un peu plus artistique, très coloré. Enfin, après, c'est ma définition à moi de l'édito, mais c'est surtout des choses qu'on va pas pouvoir porter tous les jours. D'accord. Tout simplement. Parce que toi, oui, effectivement, tu travailles sur plein de choses différentes, mais tu fais aussi de la presse, de la pub, des choses comme ça. Tu m'as dit que tu allais faire une pub pour une marque, tu peux me redonner le... C'était Bon Baiser de Paname. Bon Baiser de Paname, tout à fait. Voilà, c'était... Forcément, quand on m'a proposé le projet, je me suis dit, oula, Barbie, du rose... c'était vraiment sympa. Ah, ça y est, j'ai des questions. J'ai Marie Delahaye qui demande, c'est le fard crème noir qu'elle utilise ? Oui. Donc voilà, la réponse, c'est oui, c'est bien du fard crème noir. En fait, c'est une base, c'est génial, par exemple, quand on veut faire des smokies, parce que ça va rendre en fait le maquillage tout de suite plus intense. D'accord, en fait, là, ce que tu nous fais aujourd'hui, c'est un smoky, mais coloré. Coloré, tout à fait. Voilà. Voilà, pour les gens qui aiment le smoky, c'est du smoky. Pour les gens qui aiment la couleur, ça va être coloré. Comme vous l'avez compris, c'est un make-up qui est plutôt quelque chose pour des photos, pour de l'édition. Pas forcément un truc de tous les jours, mais je pense que ça peut intéresser pas mal de gens aujourd'hui. Après, c'est un maquillage qui est... Enfin, la base, hein, tout le monde peut l'utiliser. Vraiment, tout le monde peut le faire. Parce que ça part sur une base d'un smoky. Allez, donc il y a encore plein de monde qui dit bonjour. Il y a Shelley qui dit salut l'équipe, pour une fois je suis à l'heure. Ben oui, Shelley, pour une fois. C'est ma copine. Eh ben écoute, Shelley, voilà, on te dit coucou. Voilà, des bisous. Kylian qui nous dit bonjour de Paris, salut. À chaque fois, on dit bonjour aux gens qui viennent du Brésil. Et d'ailleurs, mais salut les Parisiens aussi qui nous suivent. Voilà, là on est dans du travail de précision, tout le monde est super concentré, sauf moi, voilà. Voilà, faut pas que je fasse de blagues pendant ces moments-là, par exemple, je crois, c'est pas bien vu, c'est pas une super idée. Pas super, non, ça va, pas de soucis. Faria qui nous dit Linda, alors je pense qu'elle ne fait pas allusion à une chanteuse, mais plutôt qu'elle nous dit qu'elle est belle, parce que Linda, en portugais, ça veut dire qu'elle est belle. Voilà, c'est les quatre mots que je connais en portugais. Donc là, j'ai déjà et effectivement, Faria est brésilienne. Ah, Faria, là, je ne sais pas si je prononce bien ton prénom, Faria. Vigette4 qui nous fait coucou de Paris, salut Vigette4. Omar, maquilleur, coiffeur, qui dit hello tout le monde. Alors surtout, quand on fait des maquillages très colorés comme ça, ça peut arriver qu'il y ait des petites chutes, donc faut pas hésiter, prendre un petit peu de poudre, et hop, on enlève. Michaela qui dit très jolie la modèle. Salut Angélique. Nala Makeup Artist qui nous dit coucou d'Algérie. Voilà, il y a vraiment des gens qui nous disent bonjour de partout aujourd'hui. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de pays différents. Ça va ? Voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur les produits, sur les techniques utilisées. Bon, je le rappelle à chaque fois, mais les produits sont les produits Makeup Atelier Paris sont évidemment disponibles sur le site. Et je vous rappelle qu'en ce moment, c'est encore les soldes, donc il y a moins 40 sur tous les produits. Voilà. Bon, encore une fois, le Brésil est très présent aujourd'hui. Daniela, oi Daniela. Christophe qui est ventelé, qui nous dit coucou la team, il dit très beaux yeux, les yeux du modèle. Pour l'instant, on parle plus du modèle que du make-up, hein, Tiffany.
C'est le début, c'est normal, faut que ça prenne forme. Il y a encore des gens qui nous... Ah, t'as encore du très joli modèle, là c'est là il n'y en a que pour toi. Moi je suis flattée. Alors j'ai S'il était une fois qui demande bonjour, y a-t-il une remise professionnelle? Il y a 30% de remise pour les professionnels, ce sera sur le site. Nala Makeup Artist qui nous dit j'adore les smoky colorés. Et je pense que tu es venue à la bonne adresse aujourd'hui, Nala, puisque c'est précisément le sujet d'aujourd'hui. Laetitia qui nous dit la modèle est très jolie. Arrêtez un petit peu avec la modèle là. Parlez de moi un petit peu, je suis là aussi. Tiffany, je t'ai pas trop embêté avec mes questions aujourd'hui, je t'ai pas demandé d'où tu venais, où est-ce qu'on peut voir ton travail. Tu travailles en freelance, je crois. Tout à fait, mais je suis sur Paris. Tu es sur Paris. Parisienne. Tu donnes des cours aussi Tout à fait, aussi bien pour les particuliers que pour les gens qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur le maquillage. Ok, du coup, si par exemple on a envie d'appliquer des techniques qu'on voit aujourd'hui, qu'on veut voir avec ça avec toi, on peut te contacter sur Instagram, par exemple, pour des cours, tu as une adresse Instagram, je crois. Oui, en fait, j'en ai deux. Ok. Parce que j'ai un Instagram où je vais faire principalement du maquillage sur moi-même, des choses très artistiques. Et j'ai mon pro où je vais partager voilà, mes shootings, les backstage, ce genre de choses. Ok, très bien. De toute façon, tous les liens pour les produits et pour effectivement contacter Tiffany sont sur les events et sur les lives Facebook et Instagram. Si vous désirez contacter Tiffany, n'hésitez pas, tous les liens sont dispo. Donc là, j'ai commencé déjà à faire mon travail de dégradé. Pour les dégradés, il n'y a pas besoin non plus de toujours prendre des pinceaux fluffy et faire ce genre de mouvement là. Pour le dégradé, il suffit juste en fait de poser les couleurs les unes par-dessus les autres et le dégradé se fait tout seul. Alors, dans les gens qui nous écrivent, j'ai Jessica Matteo qui demande quel pinceau faut-il utiliser. Elle nous met entre parenthèses novice plus. Alors après, pour les pinceaux, pour appliquer la matière, c'est toujours bien d'utiliser des pinceaux plats pour éviter en fait d'avoir trop de chutes. Hein. C'est vraiment pour poser et pour avoir une intensité. D'accord, des pinceaux plats. Donc. Tout à fait. Tout ce qui est pinceau un peu fluffy comme ceux-là, on va être plus sur du vraiment pour fondre, vraiment par exemple pour une couleur de transition. Mais sinon pour vraiment appliquer, il faut vraiment du plat comme ça on pose. D'accord. Jessica, j'espère que ça répond à ta question. Je pense que oui, les réponses, elles sont super précises en tout cas. Je fais de mon mieux. Bon, alors là, du coup, ça s'est un peu calmé pour Lola. C'est plus pour toi, hein. Les commentaires. On nous dit, il y a Laura qui dit la plus jolie des maquilleuses. Alors, je pense qu'elle te connaît parce que tu es masquée. On ne voit pas, en fait. Hein, on ne peut pas savoir. Morgane qui dit go Tiff, la meilleure, qui t'envoie des cœurs aussi. Frank Spirit qui passe faire un petit coucou et qui dit Tiffany, tu me manques. C'est un photographe avec qui je travaille souvent. Et justement, on fait beaucoup de shooting artistique tous les deux. D'accord, et bien Franck, on te salue. Merci à toi. Et surtout, petite chose aussi pour ceux qui veulent faire des smokies, quand vous appliquez une base, toujours faire attention qu'il n'y ait pas de plis. Avant de poser la matière, donc toujours repasser pour enlever ces petits plis. Parce que sinon, quand on va poser le pas par-dessus, bah forcément, on va avoir ces plis qui vont rester, qui vont marquer. Alors sur Insta aussi on nous parle, parce que là j'étais plus sur Facebook, là on est plus sur Insta. Du coup j'ai Lay Magic qui demande comment appelle-t-on ce cycle de maquillage. Donc là pour le coup je peux lui répondre, donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est un maquillage éditorial et fashion. Tout à fait. Voilà, donc c'était un cycle fashion éditorial. On dit super la technique d'avoir une éponge sur la main. Ah ça c'est pratique, même pour les cheveux.
la modèle, très confortable. Ah, c'est quelque chose, moi, la petite éponge, je ne peux pas m'en passer. Et même, ça évite aussi, la petite éponge, ça évite, par exemple, si on a trop chaud, si par exemple, comme moi, voilà, j'ai tendance à transpirer un petit peu les mains, de faire des taches dans le teint. C'est vraiment très pratique. Là par contre, voilà, pour faire le dégradé, il faut vraiment prendre son temps. Faire dégradé, ça se travaille. J'ai Lay Magic qui nous dit que c'est la première fois qu'elle nous voit en direct et qu'elle veut des cours en ligne. Eh bien, Lay Magic, c'est toutes les semaines maintenant les tutos live. Donc voilà, si tu veux voir des professionnels qui montrent leurs trucs, qui montrent toutes les ficelles de toutes leurs techniques personnelles, voilà, tu viens nous voir chaque semaine ou tu nous suis sur Insta, sur Facebook et à chaque fois les infos te seront données. Bon, encore une fois, hein, tout le monde nous fait plein de compliments sur la modèle Lola. Hein. Envoyez des likes. N'hésitez pas à partager aussi si vous aimez ce que vous voyez ce soir et que vous avez envie de faire connaître un petit peu ce qu'on fait chez Makeup Atelier. Vous pouvez partager sur Insta, sur Facebook, l'envoyer à des amis. Loraco qui nous dit Tiffany, tu es la meilleure. Il y a du monde qui est venu pour toi aujourd'hui. Ah, il y a du soutien. Et donc voilà, si vous aimez les produits Makeup Atelier Paris, je vous rappelle que les soldes sont prolongés jusqu'au 2 mars, moins 30% sur tous les produits sur le site. Qu'elle est en forme de banane. Tout à fait. Ça, tu fais une banane jaune, c'est ça? Un tout petit peu, ouais. Ah, j'avais 12 blagues sur les bananes à base de bananes flambées, etc. Je vais les garder pour moi, parce que ça va être terrible. Donc on continue encore beaucoup d'amour. Laressa qui nous dit maravilloso. Je pense qu'on nous écrit du Brésil, du coup. Ayam Lucas qui dit waouh, j'adore. Merci Lucas. On nous dit les fards paupières sont top, ils ont l'air très pigmentés. Oh oui. Je crois que c'est très spécifique là ce que tu utilises. Ouais, non, franchement ils sont magnifiques. Il y a ce côté vraiment irisé à l'intérieur. Il y a plein de couleurs en plus. J'aime vraiment beaucoup. Les magiques nous envoient une banane. Voilà, c'est bien, les emojis, on peut envoyer des bananes. Alison qui nous envoie des cœurs du Brésil. Oi, Brasil! Christophe qui nous demande quelles sont les couleurs de fards à paupières utilisées. Alors, j'ai pas les références, mais c'est une palette, il y a plein de couleurs dessus. Là, j'ai pris un... Là, pour le bleu, en fait, j'ai pris celui-là. Et il n'y a pas de truc derrière. Et celui-là. Voilà. Évidemment, les références des produits utilisés sont en lien sur Insta, sur Facebook, sur les events. Donc voilà, si vous voulez une référence précise, elles sont toutes indiquées et évidemment, elles sont toutes disponibles sur le site de Makeup Atelier Paris. 16 Westiti qui nous dit un joli travail qui sera bien mis en valeur sur une si jolie mannequin. Voilà, on n'arrête plus, voilà, sur Lola, c'est vraiment l'amour total pour toi aujourd'hui.
Je vous rappelle que si vous voulez vous inscrire en tant que make-up artiste, en tant que modèle, une seule adresse pour nous écrire, live@atelier. Voilà, on fait des blagues derrière la caméra. C'est live@makeupatelier.paris. Voilà, cette fois-ci, je l'ai bien dit. Moi je trouve que tu es très à l'aise, au contraire, franchement, je trouve que tu t'en sors super bien, limite mieux que moi, mais moi je suis occupé en fait à lire ce qu'on nous écrit. Voilà, beaucoup de gens qui encore une fois nous écrivent du Brésil, oi Brasil. Beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, j'ai une Clotilde qui t'envoie des cœurs, Tiffany, je pense que tu as vraiment du monde aujourd'hui qui est venu te voir sur Insta et sur Facebook, très suivi. Et puis merci à ceux qui nous suivent depuis le début. Là, je vois des gens qui sont là depuis le premier live. Et ça, c'est chouette. Comme vous avez pu le voir, on a un petit peu amélioré les choses techniquement. Voilà, le son, l'image, tout est mieux. C'est formidable. Je n'ose même pas imaginer comment ce sera dans un mois. Ça va être fabuleux. On va tous vouloir revenir après. Hein. Mais écoute, mais tu seras la bienvenue. Clotilde qui nous dit « Tiff, la seule qui me rend belle ». C'est mignon. C'est peut-être vrai, on ne sait pas. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Donc là, j'ai déjà foncé un petit peu le côté violet en les tirant un petit peu. Avec un pinceau un peu fluffy. Fluffy, bonne question. C'est une très bonne question, fluffy. C'est juste en fait la forme du pinceau qui fait que ça va permettre de bien. Ils sont plus. Je sais pas comment on peut dire. Pour relâcher. Oui, voilà, tout à fait. Alors, c'est fluffy, vrai qu'on a l'habitude. Fluffy, c'est un peu comme les poils d'un chiot. Oui, voilà. Voilà, c'est un petit peu comme des petits poils. C'est un peu pelucheux. Et moelleux en même temps. C'est tout. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais c'est bon à savoir, parce que je ne suis pas tous dans le maquillage. Après, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Et après, la définition exacte. Mais c'est bon à savoir. Alors, on va passer à une étape que j'adore. Encore plus de couleurs. Ah, dis-moi en plus. Enfin, dis-nous en plus. Mais encore. Là, je suis vraiment partie sur quelque chose de très smoky. Donc là, on est sur un maquillage, on va dire, normal, on va dire. On pourrait porter, par exemple, en soirée. Mais là, je vais rajouter beaucoup de couleurs. Là, je vais rajouter du rose bien pétant, si ça va monter vraiment dans les sourcils. Là, je me lâche. Là, on aborde le côté éditorial, justement. Moins la vie de tous les jours, plus des choses destinées à être prises en photo, à être... Du coup, tout à l'heure, donc, c'était du fard coloré. Là, tu utilises quoi? C'est toujours un fard. Là, je suis partie. Alors, j'aime beaucoup cette palette qui est très colorée. J'aime énormément les couleurs, vraiment, surtout le rose. C'est une couleur que j'aime énormément. Vous comprenez pourquoi le barbe? Voilà pourquoi j'ai dit tout de suite oui pour le shoot Barbie. Là, je vais rajouter vraiment de l'intensité vraiment dans le feu. Et après, je vais venir tout dégrader en fait avec le rose. Et puis là, le rose et le violet s'harmonisent vraiment bien. Chélé qui nous dit oui, on veut plein de couleurs et pour nous dire ça, on met plein de i. D'accord. Merci Chélé. Pareil Chélé qui nous suit depuis le début.
Océane qui demande oui, du rose. Oui, il va y avoir du rose. Là, on est sur du rose. On est parti pour un petit moment sur du rose. Mais d'ailleurs, je précise, parce que c'est ce que tu m'as dit au début, là, normalement, c'est un maquillage qui devrait se faire en plus de temps. Là, on prend une petite heure, puisque c'est la durée du live, mais normalement, c'est un truc qui devrait prendre plus de temps, avec peut-être un petit peu plus de finition. Tout à fait. C'est vrai qu'en règle générale, le travail des couleurs, le travail des dégradés, ça prend quand même un petit peu plus de temps. Donc là, c'est une version un petit peu express, même si voilà, on prend quand même une bonne heure en plus du travail de préparation qu'il y a eu en amont. Et voilà, et quand on pose les couleurs, faut pas hésiter vraiment à les poser comme ça. Pour bien que le pigment se pose. Parce que si on fait juste comme ça, très léger. Là, hop, on veut l'intensité, donc on y va. Tout à fait. Si vous voulez faire ça en soirée, quand il y aura à nouveau des soirées en 2023, voilà une super des idée. Des soirées à la maison ? Ou des soirées à la maison, en tête à tête. Alors, tout à fait, ça avec le masque en plus, ça fonctionne bien, ça, les yeux sont encore plus mis en valeur. Va être entièrement coloré. Ouais. C'est pour ça justement que je n'ai pas fait les sourcils avant. Quand on normal, quand on fait un maquillage, on fait quand même les sourcils qui soient bien dessinés. Là, on va partir sur quelque chose de très artistique. Donc là, j'avais pas besoin de les faire. Là, je fonds juste un petit peu la pointe pour éviter que ce soit trop net. De toute façon, il va y avoir d'autres étapes après. D'accord, ça en fait c'est encore une base pour quelque chose que tu vas mettre par-dessus. Oui. Donc c'est quasiment en trois couches. Oh, il y a plein de couches. Moi j'adore tout ce qui est texture. Donc là vous allez être servi. Qui aime les paillettes ? Eh ben on va mettre des paillettes. Et on a encore du monde qui arrive là sur Insta et sur Facebook. On a Katie qui nous dit bonjour et merci depuis la Géorgie. Salut Katie, bonjour. Sanchez Salon qui nous envoie des cœurs. Donc là, il étire bien. Justement parce que le maquillage après n'est pas fini. Il n'y a pas que le travail des yeux. Il y a Lucas qui nous dit avec la musique, ça fait très boîte l'ambiance. C'est vrai qu'il y a un petit côté club, un petit côté clubbing aussi. Privy Suicide qui nous écrit un oiseau de nuit style années 80, il y a un petit quelque chose des 80s effectivement. Ouais, je pense que je suis très influencée justement par les années 80, c'est vraiment une période que j'aime beaucoup, surtout dans le maquillage, c'est des choses qui sont très 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 colorées. Et on se rappelle de Piazzadora qui avait des plumes d'oiseaux. Ah, ça. Non, puis on se permettait des choses aussi qu'on fait moins maintenant. Lime Magic qui nous dit j'adore cette palette de couleurs, je veux connaître le magasin. Eh bien le magasin c'est Makeup Atelier Paris. Donc tout est sur le site, tous les produits utilisés aujourd'hui sont sur le site Makeup Atelier Paris. Ah, Valentine qui nous dit des paillettes, oui des paillettes. À chaque fois qu'il y a des paillettes, de toute façon, les gens s'en foutent. On va faire que des paillettes tout le temps. Sans mémoire, tout le temps. J'en ai encore retrouvé.
voilà, je vois beaucoup d'amour pour les paillettes, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à poser des questions. Don't have no hesitation if you have questions, we can answer you in English too. On peut aussi répondre en anglais. Beaucoup de temps sur les yeux, tu vas enchaîner après sur la bouche, sur le... Alors, quelles sont les autres étapes ? Alors pour la bouche, on va rester sur quelque chose de nude, parce que ça va être vraiment très chargé déjà au niveau des yeux, hein, et au niveau du blush, ça va être vraiment très chargé, donc on va éviter de trop charger la bouche, donc on va rester sur quelque chose de nude sur la bouche. D'accord. Vraiment, c'est les yeux en particulier, ensuite le reste est juste habillé. Néa qui demande, est-ce que Tiffany a dessiné le maquillage avant sur un face chart ? Et comment a été choisi le modèle, nous demande-t-on ? Alors... Tu fais beaucoup de questions d'un coup. Alors, pas de face chart, parce qu'en fait j'ai eu la chance de m'entraîner sur une modèle. Donc j'en ai pas fait. J'avais déjà mon idée de base. Mais en règle générale, oui, c'est vrai que je travaille beaucoup avec des face charts. D'accord, donc d'habitude tu travailles avec des face charts, mais pas cette fois-ci. Je pense que ça répond à la question. Et là pour le ras de cils, alors c'est vraiment quelque chose que je dis souvent. Il faut pas hésiter à descendre. Les gens en fait sont toujours un peu frileux, hein. Ils font vraiment juste un petit ras de cils. Moi j'aime bien descendre un peu plus, que ce soit vraiment intense. Voilà, tant qu'en fait on ne descend pas dans la cerne, voilà, donc si tu avais un message à donner, ce serait il faut y aller à fond sur les ras de cils. Surtout quand on fait des maquillages très colorés comme ça, faut pas hésiter. Parce que si on fait un tout petit ras de cils, je trouve que ça donne pas assez d'intensité. J'ai l'impression que le maquillage n'est pas fini. Donc faut y aller. Faut se lâcher. Alors, j'ai Julie Costa. Alors là, c'est plus pour nous, cette question qui me dit « Je voudrais travailler avec vous, c'est super, c'est très créatif et très beau. » Julie, si tu veux travailler avec nous, si tu veux participer au live, c'est très simple. Tu nous écris sur Internet, sur live@makeupatelier.paris. Voilà. Néa qui dit « Je suis bien d'accord, le ras de cils est important. » Et Shelley qui demande « Où puises-tu tes... » Mais qu'est-ce que c'est que ces questions aussi ? C'est quoi ces gens qui utilisent un français châtié ?« Où puises-tu tes inspirations en général ?» Alors ça... C'est Shelley qui demande. Ouais, de partout. De partout. De partout, aussi bien dans la mode que dans la nature, les expos... des textures, enfin, vraiment de tout. Certains artistes aussi qui ouais. T'inspirent. Après, c'est vrai que enfin, voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de maquillage. C'est une maquilleuse qui m'a vraiment donné l'amour du maquillage coloré. Donc elle est connue en France et aussi au Canada. C'est La Petite Vengeance. La Petite Vengeance. Ouais. C'est Marika d'Auteuil. D'accord. Et elle fait, elle est géniale, elle fait plein de maquillages colorés. Et encore des gens qui nous écrivent du Brésil, hein, Mendoza, Nina, Oi, Mariana qui nous envoie des cœurs, merci Mariana. Et toujours, pas oublier cette petite zone là, juste ici, dans le coin de l'œil. Alors, il y a des gens qui font des analyses en live, hein, qui nous disent par exemple c'est entre Effie de Skins et le make-up de Euphoria. Alors je connais pas du tout. Eh ben, Euphoria, je viens de découvrir et effectivement il y a un petit peu de ça. C'est effectivement des choses assez contemporaines avec pourtant une grosse influence 80s dans les couleurs, beaucoup de rose, beaucoup de violet.
Valentine qui nous dit on adore la petite vengeance. Donc voilà, peut-être que la petite vengeance viendra un jour participer à un de nos lives. On serait ravis de la voir si elle nous regarde, si elle nous écoute. Il y a aussi une autre maquilleuse que j'aime beaucoup et qui travaille énormément avec le maquillage justement de Make-up Atelier. C'est Julia Voron. Julia Voron. Ouais, elle est, je ne sais plus si elle est en Pologne. Russe. Et russe. Donc elle est russe, on dit. Voilà. Je vous précise. Elle utilise énormément les produits Make-up Atelier. C'est comme ça justement que j'ai connu la marque. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de professionnels vraiment qui utilisent la marque de plus en plus. Voilà, oui. D'ailleurs, oui, ça s'est un petit peu calmé là. Hein. Les gens étaient très actifs pour parler de Lola et là, ça pose vraiment plus de questions sur le make-up. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Ouais, voilà, posez vos questions sur le make-up, sur les techniques, sur le matériel utilisé, les pinceaux, les fards. D'ailleurs, si vous voulez connaître les pinceaux, les fards et le matériel utilisé, tout est sur le site, sur Facebook, sur Instagram et évidemment sur le site de la marque. Je le redis encore une fois, mais c'est les soldes, profitez-en, c'est jusqu'au 2. Voilà, tout est dit. Donc là, je vais passer à une autre étape qui est jamais très évidente pour les modèles. Le crayon dans la muqueuse pour apporter encore plus d'intensité au maquillage. J'ai Pimpin qui nous pose une question qui nous dit cette année quelle couleur est à la mode? Quelle est la couleur à la mode actuellement? Il semblerait que ce soit le gris et le jaune, me dit-on. Donc voilà. Alors après, Pimpin, gris et jaune, mais peut-être que toi tu ne seras pas d'accord. Après, je vous avouerai que moi, pour le maquillage, je ne suis pas forcément la mode. Je suis mes envies, mais après, il y a toujours des intemporels comme le pêche qui marche quoi qu'il arrive. Aussi bien sur les yeux, sur les pommettes, quoi qu'il arrive, ça fait toujours un effet bonne mine. Donc c'est vraiment une couleur qui reste intemporelle, moi, je trouve. Donc voilà, Pimpin, tu vois le point de vue de Tiffany, c'est pêche tout le temps. Et cette année, en tout cas, ce sera gris et jaune. Bahar qui nous dit hello. Hello Bahar. Merci d'être venu nous voir. Christophe demande où as-tu fait ta formation de maquillage? Alors moi j'ai fait Make Up Forever Academy à Paris. Ça va? J'ai fait la formation de 10 mois avec spécialisation body painting. D'accord. Et du coup le body painting, si une prochaine fois viens nous voir pour du body painting parce qu'on aime beaucoup ici. La semaine dernière on a fait un très très bien, ça a eu beaucoup de succès. Donc on note ça pour une prochaine fois le body painting. Pas de soucis. Parce que nous on aime bien. Néa qui nous dit j'ai commencé le maquillage avec votre marque, j'adore, avec plein de points d'exclamation. Merci. Il y a Puri Suicide qui nous précise bien que Effie de Skin, c'est le côté smoky eye intense des yeux bleus, en nous signalant que c'est un personnage de série UK, une série anglaise donc.
Voilà, plein de gens qui nous envoient des petits pouces levés, des petits cœurs. Pimpin qui nous demande, est-ce que vous cherchez des modèles? La réponse est oui, on cherche toujours des modèles. Pimpin, tu nous écris à live@makeupatelier.paris. Voilà, c'est la même chose pour les modèles et pour les make-up artistes. C'est cette adresse-là. Voilà, on attend vos candidatures. Sauf qu'il nous dit un modèle qui ne pleure pas, c'est le top. Mais on ne pleure pas chez Makeup Atelier Paris. Jamais. Voilà. Alors je sens qu'il y en a qui vont être très contents parce que je vais passer une super étape. C'est les paillettes. Voilà, les paillettes. Le mot est lâché. Attention, ouais, bon. On attend là les. On attend les messages. Ça va être à base de paillettes. Donc j'ai pris en fait le Magic Primer. Magic Primer. Voilà, j'ai mis d'abord en fait sur un pinceau plat comme ça. Et ensuite, donc j'ai pris des nacres. Elles ont un reflet mais magnifique. Donc pour éviter que ce soit trop volatile, donc on peut justement utiliser le Magic Primer. Prêt ? Et là, c'est magique. Voilà, pour ceux qui veulent connaître la référence précise, le Green Gold Pearl Powder. Je l'ai bien dit en plus. C'est vrai que j'ai pas regardé le nom en entier. Je suis là pour ça. Tu es parfait. C'est pas à moi de le dire. Alors, Christophe nous dit oui, des paillettes. Voilà, on savait que dès qu'on dit paillettes, on a des messages à base de paillettes. Donc voilà, c'est le moment des paillettes. C'est parti. Ça a son petit succès des paillettes, là on a plein de petits cœurs. Nata nous envoie des cœurs. Merci Nata. C'est des produits qui sont quand même assez volatiles. C'est de la poudre. Il faut toujours utiliser une petite base. Donc là le Magic Primer franchement c'est vraiment top. Ça permet de bien accrocher. Ça évite vraiment d'en mettre de partout. Julie Costa qui nous dit quel beau verre. Celui dont je donnais donc la référence tout à l'heure. Toutes les références sont indiquées ensuite sur les ventes. C'est un White Virtual Pearl. En fait, elle a des super beaux reflets violets à l'intérieur. Ah, Lichou nous dit, on valide. Merci Lichou, 26. Trop belles ces paillettes avec la lumière. On savait que ça aurait du succès. Ça a aussi un petit côté, un petit insecte, on dirait, ouais. Un peu scarabée.
comme ça c'est toujours le temps en dernier. Oui, il y a un petit côté marathon avec le principe du live, puisqu'effectivement on a à chaque fois une heure, un temps donné assez précis avec lequel on ne peut pas trop jouer. Du coup, ça vous pousse, vous les make-up artistes, à devoir à chaque fois faire des choses un petit peu en amont, des choses avant que vous ne feriez pas d'habitude. Passer plus rapidement sur certaines parties, après ce que j'ai compris. Sachant que là, on a encore un petit peu de temps. Ah, on a bientôt fini là. Et oui, ça passe vite. À chaque fois, c'est pareil, ça passe très très vite. Hein. Je vais juste rajouter un petit gloss nude. Un pinky belge. Belge ou beige, tu as dit ? Belge. Ah ok, je me disais oui, c'est en le disant, je me suis dit tiens, ça sonne un peu débile ce que je viens de dire. Et là. Encore une fois, on nous envoie des cœurs du monde entier. Hein, Daniela Franco qui nous écrit des cœurs. Merci Daniela. Donc là, je vais mettre le blush. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment sur quelque chose d'assez... 80, hein, c'est vrai. C'est vrai, je vais partir sur un blush très très intense. Il faut pas hésiter à dégrader avec le maquillage dans le sourcil. Néa Tolosa Model qui nous envoie des cœurs aussi, qui nous envoie du oui. À savoir voilà. Faire du 8. Exact. En tout cas, tu es d'une efficacité redoutable. On est dans les temps. C'est, il nous reste un bon quart d'heure. Linda Boutique qui nous envoie de l'amour, merci Linda. Voilà, continuez, envoyez-nous des cœurs, posez-nous des questions, partagez, likez sur Insta, sur Facebook. Et toujours l'highlighter. Pour que ça brille. Pour que ça brille. Faut jamais hésiter. Des maquillages comme ça, rajouter beaucoup de lumière. Spécifiquement pour de l'éditorial, il y a... Moi je sais que je rajoute toujours énormément d'highlight. Après ça dépend aussi du photographe, du rendu qu'on veut. Tu travailles avec les photographes en fonction de ce qu'ils te proposent au niveau lumière aussi parfois? Oui, mais en fait c'est important de savoir justement sur le set photo, la lumière, ce que veut le photographe. Aussi par exemple pour les magazines ce qu'ils veulent et faut toujours, moi je regarde toujours en règle générale quand le photographe prend la photo, je regarde le premier rendu pour voir s'il faut modifier des choses. D'accord, histoire de pas le faire en poste. Voilà, exactement. Le travail c'est aussi de faciliter le travail du photographe. Mais c'est une collaboration. La base sur laquelle tout le reste va partir. Julie Costa qui dit ça me rappelle la beauté des années 80, j'adore, et effectivement c'est très 80s.
on est quand même dans des 80s revisités en termes, je dirais, de couleurs, de, on est quand même dans des choses plus subtiles, plus fines. Le petit côté synthwave dans les choix de couleurs aussi. Voilà, le mot a été dit, paillettes. Katia qui nous dit, c'est beau, c'est magnifique, on voit plein de cœurs. Merci Katia. Océane qui trouve ça magnifique, merci à toi Océane. Sérieuse là, beaucoup plus qu'au début. Tout à l'heure, elle était, ça rigolait plus. Tout à l'heure, tu es très sérieuse. Si, comme Lola, vous voulez participer en tant que modèle à nos lives, live@makeupatelier.paris, vous nous écrivez. Technique aussi pour le mascara, toujours passer par-dessus et après par-dessous. Quand on passe par-dessus, ça va permettre d'enlever toutes les petites chutes de fard qui ont pu se mettre sur les cils. Ça permet aussi de bien gainer le cils pour que le mascara soit plus intense. D'accord. Si on fait l'inverse, du coup, ça va être sale. En tout cas, d'abord dessus, ensuite dessous. Ouais. Ça permet de bien gainer pour que ce soit vraiment plus intense. Du gainage pour cils. Exactement. Très bien, c'est noté. Ça évite que, par exemple, quand on ferme les yeux, qui est en fait pas d'intensité, qui est pas de noir en fait sur le dessus. D'accord, donc c'est rendre le regard intense même les yeux fermés. Tout à fait. Quand il y a des petites chutes justement de fard, ça les enlève. Dana Mograbi qui nous dit j'adore, qui nous envoie des cœurs aussi. Merci à toi Dana. Vicky Makeup qui nous dit je ne comprends pas ce que tu me dis, Arasando de Maïs, je pense que c'est du portugais aussi. Brigade. Alors là, je rajoute pas de mascara, je rajoute pas de matière sur le bouclier. Et pourquoi? Parce qu'elle a des cils très très longs. Donc j'ai pas envie de trop en mettre, c'est vraiment juste pour les colorer un petit peu et permettre de les brosser. C'est vrai qu'elle a de la chance d'avoir de très très longs cils. Effectivement, oui, si on la filme de côté, on peut voir qu'ils font quasiment les cils d'en bas, font quasiment la même taille que ceux du haut. Un avantage et un désavantage. Je connais plein de filles qui tueraient pour avoir des cils. Voilà, vraiment plein. Même moi, tu vois, je. Limite. Ah ouais, je suis limite jaloux. Les miens sont incroyables au cas où tu n'aurais pas vu. Bonjour. Donc là, on va passer au côté texture. Donc, du coup, les, ce que tu appelles les textures, c'est un petit peu la touche finale, c'est ça? Pimpin nous dit, pouvez-vous faire plus de live en même temps, on apprend avec vous. Ça se prépare. Il y aura des lives toutes les semaines, il va y avoir des masterclass, on vous prépare plein de choses. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook, il y a plein de choses qui arrivent en termes de tuto live. Voilà, on a plein de surprises pour vous, n'hésitez pas à nous suivre. Eyeshadow crème
voilà, moi je m'étouffe. J'ajoute une petite touche de jaune. Et le pire, c'est que malgré tout, malgré toutes les couches, ça reste très léger en termes d'apparence. Parce que si quelqu'un là vient d'arriver dans le live, il ne voit pas qu'il y a trois couches de make-up et une heure de travail. C'est vraiment... c'est très réussi de ce côté-là. Ça fait pas du tout chargé, ça fait pas lourd. Et si on veut partir encore plus loin, par exemple, pour les loupiers du fond, on adore rajouter en fait cette petite touche. Des petits rappels de couleur. Voilà, exactement. Là, par exemple, si j'avais voulu, j'aurais pu aussi lui faire le buste, justement avec, par exemple, de l'huile, avec justement les nacres mélangés, et rajouter cette petite touche de orangé et de jaune. Ce sera peut-être pour un prochain live. C'est ce qui fait que ça finit quand même un peu le maquillage, de rajouter ces petites touches en fait. Après, on peut partir encore plus loin, suivant ce qu'on veut quoi. Yasmina qui nous écrit que c'est très joli, qui te dit bravo, merci Yasmina. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme sur ce que tu fais. Les gens aiment beaucoup. Bon, tant mieux. Dans les cheveux, du orange et du jaune. Un petit peu plus, un petit peu moins. On est plus à ça. Exactement. C'est la touche finale, c'est ça? Je vais juste faire en fait rayonner vite fait au niveau de la bouche. Là, je lui avais déjà mis un gloss, enfin, je lui avais déjà mis un baume hydratant, un petit gloss. Et si on veut définir un petit peu plus, on vient avec un crayon. Il y a Elka qui nous dit salut, bah salut à toi Elka, make-up artiste aussi, beaucoup de make-up artistes qui nous regardent aujourd'hui. Il y a Pimpin qui veut un rouge à lèvres bleu. Donc maintenant les gens demandent des couleurs, voilà. C'est Ah bah si, on veut mettre un rouge à lèvres bleu, on peut hein. Bon, je vais juste mettre un petit peu. Voilà, c'est un tuto make-up participatif. Maintenant les gens font des suggestions pendant le make-up. Et il faudrait... On tient une idée, on tient quelque chose. Voilà. Demander à une make-up artiste de venir et les gens choisissent en fait les couleurs. Est-ce vraiment une bonne idée? Je ne sais pas. Alors, essayons. Sur un live lunaire, peut-être. Sur un malentendu, on ne sait jamais. Là,
critiques et compliments, on a déjà beaucoup de monde sur, sur internet là, qui, est-ce qu'elle a besoin de plus de compliments? Merci. Et ben voilà. Ben voilà, on n'est pas, déçus, voilà. Ça tendait à quelque chose de beau et effectivement, ouais. C'est vraiment très réussi. Du coup, tu peux nous faire un petit récap de ce que tu as fait pour les gens qui nous regardent et qui, ouais. Qui voudraient un petit récap avant, avant le final, parce que ça y est, le tuto touche à sa fin. En quelques mots, bien sûr. Je suis vraiment partie voilà, sur une base smoky pour donner plus d'intensité vraiment au phare. Et après, je suis venue travailler donc les couleurs avec des nacres aussi, des paillettes et puis un blush, on va dire, on appelle ça un blush carton, voilà, années 80, donc un blush très très marqué et des effets de texture aussi pour apporter un petit peu de dimension, un peu de fantaisie pour ce look édito. Bah, c'est très réussi. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur internet? Oui, alors j'ai un site internet, donc c'est tiffanydamermont.com, simplement en fait, hein, c'est mon prénom et mon nom. Et sinon sur Instagram, bon, pour le côté plus artistique, ça va être sur Tiffany Moonchild. Et sinon, bah, c'est tiffanyd.mua pour tout ce qui est pro, shooting, backstage et tout ça. Et pour les gens intéressés, on peut évidemment retrouver tous ces liens sur, sur l'event, sur Insta, sur Facebook. En tout cas, merci à toi d'être venu aujourd'hui, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, si vous êtes make-up artiste, si vous êtes modèle et que vous souhaitez participer au live, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à live@makeupatelier.paris. On attend vos candidatures. La semaine prochaine, nous aurons une artiste du nom de Hind qui viendra nous faire un make-up libanais. Je n'en dis pas plus, ce sera mercredi prochain à 19h, comme toujours en live sur Facebook et sur Instagram. Voilà, je vous dis à mercredi, gros bisous.